Le Midrash Rabba, donc Elohim Nishmat Raphaël Ben René. Elohim Nishmat Raphaël Ben René Haïm Masoud Makhlouf Marouani. Elohim Nishmat Shalom Ben Tamar, Elohim Nishmat Shabbatai Adam Ben Esther. במדרש הבא, ואלה שמות בני ישראל, השם, על שם גאולת ישראל נזכרו. במדרש הבא, שפיטר 1, פרגרף ה' דן מדרש הבא, כן, פרק א', ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. Pourquoi les noms de Bnei Israël ont été ramenés au début de notre parasha? Al Shem Geulat Israël, parce qu'ils sont appelés, les Shvatim, sur la Geoula de Am Israël. Du fait que leur nom signifie, le nom représente, le nom comprend dans le sens du nom, dans la racine du nom. Un paramètre de la Géoula, c'est pour cela que la Torah nous a ramené dans le premier pasouk de Sefer Shemot, nous a ramené les Shemot de Bnei Israël. Ve'el les Shemot Bnei Israël, Al-Shem Géoulat Israël Nizkirukan. Ils sont appelés sur la Géoula. Et le Midrash va détailler, Réhouven, Shenehemar, Rao, Raït, Yétani, Ami Israël. Réhouven, qu'est-ce que ça signifie le nom Réhouven? On le sait. Mais là, en ce qui concerne la Géoula, ça vient sur ce que dit le Passouk plus tard dans le chapitre 3. Rao, Raït, Yétani, Ami Israël, j'ai vu. Donc Réhouven, c'est allusion au fait qu'Akadosh Baruch Hu voit notre souffrance. Rao, Raïti, Etani, Ami Israël. Shimon, Al-Shem, Vaishma, Elohim, et Nakatam. Shimon, c'est sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu entend nos cris. Lévi, Al-Shem, Shinitraber, Akadosh Baruch Hu, les Tsaratam, Mitoch, Asene. Lévi, c'est sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est attaché à nous. Vas-y, mange, je vais là tout de suite. Le fait qu'il s'est attaché à nous, le fait qu'il s'est lié à nous, mitoch asne dans le sne, dans le buisson. Le kayem hachenehemar, imo anochi betzara, pour accomplir ce qui est écrit, imo anochi betzara. Yehuda, qu'est-ce qu'il y a? Yehuda, Al-Shem, Sheudou, je continue moi dans le Midrash Rabbah. Hein? Yehuda, Al-Shem, Sheudou, la Kadosh Baruch Hu. Yehuda, rappelle, Yehuda nous représente la louange que Am Israël vont faire à la sortie d'Égypte. Sheudou, la Kadosh Baruch Hu. Issachar, Shenatalem, Akadosh Hu, Sachar, Sheudoudam. Le nom d'Issachar signifie le fait qu'Akadosh Hu va nous récompenser en sortant d'Égypte. Il va nous rémunérer, il va nous payer, il va nous donner le butin. Quand on sort d'Égypte, on a, par le butin, il y a même ce qu'on va prendre, ce qu'on va recevoir. Ce n'est pas seulement le butin, c'est aussi ce que pour accomplir ce que Abjou Khoui, la première Avraham, Avinu, Vaharechen, Yetzéou, Birchouch Gadol, Zevouloun, Hashem, Shishkina, Kadol Mokhouch, Khinato, Bekirbam. Zevouloun nous rappelle le fait qu'Abjou Khoui va résider. Zevouloun, Zevoun, c'est quoi? La résidence. Quand Akadosh Baruch Hu va résider parmi nous, au Mishkan, va Souli Migdash, Shachanti Betochan. Le Mishkan fait partie de la sortie d'Égypte. Ven Zevouloun, et la Bet Amigdash, et Neymar, Bano, Bagit, Bet Zevoulach, Machon, Jiftecha, Olamim, ou Binyamin, Al-Shem, Yeminecha, Adonai, Nedari, Bakoach, au Kriat Yamsouf, Dan, Al-Shem, et Gam, et Agoy, Asher, Yavodou, Dan, Anochi, Vacharechen, Yisou, Bichouj Gadol,
Naphtali al Shem Torah ou Mitzvot, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שכתוב בהם, ומתוקים מדבש ונופת צופים. חזל, ils ont interprété le mot נופת, כן, qui est dans la racine du mot נפתלי, mais נפתלי c'est נופת לי, c'est-à-dire c'est des douceurs à moi. Quelles sont nos vraies douceurs? La Torah et les mitzvot, נפתלי. Ah, tu me regardes, je dis. Gad al Shem Aman Sheikhilam Akadosh Baruch Hu. Gad, c'est sur l'Aman Sheikhilam Akadosh Baruch Hu Kezera Gad. Gad, c'est la manne, hein, on le voit, elle est décrite comme ça, c'est un zéragad. Asher, Alchem, Asher, c'est Alchem, Shayou, Me'ashrim, Otan, Kolchome, Gioulatam. Tous ceux qui entendaient la Gioula d'Israël, Ayou, Me'ashrim, ça veut dire quoi, Me'ashrim? Ça veut dire qu'il est considéré comme heureux, ou il est. Me'ashrim, Otan, ça veut dire qu'il est. Il les voyait comme des gens heureux. Kol shomei gevulatam gadirtim veishru etchem kol agoyim ki tiyu atem eretz chefetz amar Hashem tzvakot. Yosef, pourquoi Yosef? Quelle est l'allusion de Yosef? Quelle est l'allusion de Yosef? Al shem atshatid abelochu leosif veligol et Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu une gevula en Égypte. Et le nom Yosef qui est ramené ici au début de la paracha, c'est sur la Géoula de la fin des temps. Car Jouhou va rajouter une Géoula à la fin des temps. Védigol et Israël, Nimalchut Arécha du règne, le mauvais règne, Ken, des Réchaïm, de Edom. Comment c'est là, hein? Shem Shigal Otam Mitzrayim, Nirti Vaya Bayom Ohu, Yosif Hashem Shenit, Yosif Hashem Shenit. Yado Michal Yodia. Donc, on a cité rapidement le Midrash qui va associer à chaque monde des Shvatim un remez, une allusion à la Gioula. Essentiellement la Géoula d'Égypte, c'est-à-dire dans tous les noms des Shvatim, il y a un paramètre ou un aspect de la Géoula d'Égypte. Et le Shem Ishmoël, comme tous les Mefarshim du Midrash, veut comprendre qu'est-ce que ça nous enseigne et pourquoi finalement le Midrash devait expliquer que les noms des Shvatim sont les noms des phases de tous les aspects de la Géoula. Oui. Alors, mais ça renforce la question. Alors, regardez ce qu'il dit le Shem Ishmoël. Yesh lavim. Chez Zoï. Non. Nire le Faresh, pardon. Non. Donc vous êtes avec moi, je reprends le texte du Shem Ishmoël. Nire le Faresh Yukshalo, Lama Chazar Viskiram, Kan, Achar Shitvar Iskiram, et Parashat Vaigash. Pourquoi il était nécessaire de rappeler les noms des Shvatim ici au début de Sefer Shemot, après qu'ils ont déjà été nommés à la fin de Parashat Vaigash? À la fin de Vaïgash, on nous a déjà nommé tous les enfants. Okay? Quand Yaakov Avinu descend en Égypte, on va nous nommer tous les enfants qui descendent en Égypte. C'est les Shvatim et aussi les Shivim Nefesh. Ils sont tous nommés. On connaît leur nom. Pourquoi c'était nécessaire au début de Sefer Shemot? Ve'el Shemot Bnei Israël, Abayim Mitzrayima. Et Yaakov, Ishou, Beto, Baou, Réouvel, Shimon, pourquoi c'était nécessaire de les nommer? Alors, le Midrash va répondre à cette question d'après le Shem Ishmoël.
נראה לפרש שהוקשה לו, כזה קטן הוא מדרש דיפיסיל, למה חזר והזכירם כאן לאחר שכבר הזכירם בפרשת ויגש? וגם למה לא הזכיר שמות כל השבעים הנפש? אסי דג'ה תו רפט, פסקו צ'ו אנבי דו רפטה, כמו ראשי נו רבן עוד דביו דל הפרשה, ככה זוכרו פר אמור פור ישראל, אילם נומה ישראל, אילם לנומה כום לזטואל, קורסור, קורנט, אצטרה, אצטרה. Alors pourquoi ne pas nommer les 70 nefesh qui ont été mis sur la liste dans Parashat Vaigash? Mais gam la malo iskir shemot kol ha 70 nefesh comme j'ai iskir sham. Va'al ze mitaretz shekol atzmam lo uskiru elukan ela mishum shenikru al shem geulatan shel Israël. Ils sont ramenés ici les noms des shvatim que parce que leur nom correspond à la geula. Parce que dans chaque nom, comme on m'a dit précédemment dans le midrash, Réhouven, Raho, Raïti, Etroni, Ami, Israël, Shimon, Vaishma, Elohim, et Nankatam, Lévi, Shinitraber, Akajmokou, Zaram, et Torasne, etc. Tous les Shvatim ont une correspondance avec un aspect de la Géoula. Et c'est pour cela qu'ils sont ramenés ici. Bon, et alors? Alors, on continue. C'est joli. Alors, il continue le Shem Ishmael. Il nous dit, et la Mishum, Shinitrou, Hashem, Géoulatam, Shin Israël, והיינו על פי מאמרם בשס בגמרא במסכת מגילה. Il va nous expliquer cela. Okay? Il va fonder l'explication. Qu'est-ce qu'il va expliquer? D'accord? C'est sur la Géoula. Ils ont un nom qui rappelle la Géoula, qui fait allusion à la Géoula. Mais pourquoi c'est important de les citer? Alors, il nous dit, la Gemara Megillah, שאין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, comme ça la Gemara nous dit, c'est Rabbi Shimon Melakish qui dit ça dans la Gemara. En Akadosh Baruch Hu maket Israël, ela imken magdim ubore lahem refua batrila. Akadosh Baruch Hu ne va pas frapper Israël s'il n'a pas avant créé et établi la refua. Alors, d'où on apprend ça? On apprend de Megillat Esther. Que Achar Advarim Ele Gidal Achashverosh et Aman, il a grandi Aman. C'est quoi Achar Advarim Ele? Après quoi? Après Biktan Vateresh. Après l'affaire de Biktan Vateresh qui ont sauvé le roi, finalement, qui ont voulu empoisonner le roi et que Mordechai a transmis, et ça a été inscrit des Sefer Hazichonot, que Biktan Vateresh ont voulu empoisonner le roi. Et ça va servir pour à Mordechai de s'élever. C'est ça qui va permettre à Mordechai de s'élever. Voilà. Bon, maintenant qu'ils sont descendus, qu'ils continuent. Zelemata. Mais ça arrive. Ah ben, top. Terdou, pour Mikan, Arshav. Terdou, mais à Dadele. לא, בסדר. יש מבחוץ, אבל זה בסדר, אתם עם עגלות. לא, פה יש, מאחורי הווילון יש דלת. זה בסדר, בסדר. שאלה ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה. דוק לרפואה הייתה להיסטואר בקטן ותרש ככלכה פסוקים בר למגילה, כן? מעשה פסוקים לה, אוראליטה, זה la refoua chez Kodemet, la Maka. C'est ça qui va permettre tout le dénouement que nous connaissons dans Megillat Esther. Chez Nagrohu Maket Israël, Ela Enken Bore Lahem Refoua Trila, chez Nehemar Kerofi Le Israël, Venigla Avon Ephraim, Kerofi et Ken, Kerofi Le Israël, quand je vais apporter la refoua à Israël, Venigla Avon Ephraim, c'est-à-dire après que j'ai déjà établi la refoua, c'est le Navi Oshéa qui dit ça, alors je vais pouvoir maintenant m'occuper du Avon. Mais je prépare d'abord la refoua, je prépare la guérison avant le coup. Donc c'est un grand principe que Kadosh Hu ne va pas donner un coup à Israël s'il n'a pas établi, s'il n'a pas préparé, s'il n'a pas devancé la refoua. Avalumot haolam enoken. Les goyim, c'est pas comme ça. Il frappe et après ça, il crée la guérison. Chez Nehemar, Venagaf Hashem et Mitzrayim, Nagof Verafo. À la fin des temps,
l'Égypte vont être frappés, mais quand ils vont reconnaître Hachem, ils vont reconnaître Hachem, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va les guérir. C'est écrit comme ça dans le Navi Ishaïa. Dans le Navi Ishaïa, on parle de que l'Égypte, à la fin des temps, ils vont être rebelles, ils vont être rebelles le long de l'histoire, mais finalement, ils vont reconnaître Hachem. Et par le fait qu'ils vont reconnaître Hachem, Akadosh Baruch Hu va guérir, va les guérir. Mais quand est-ce qu'il va, cette guérison, elle apparaît? Quand est-ce qu'elle surgit? Que après la Makkah. C'est l'interprétation, c'est le sens du pasouk et l'interprétation de l'Agmara Megillah. Meikara Nagof, au début Nagof, il commence par frapper par le fléau, Vehadar Verafou, et après cela, la guérison. Biouadvari, pénétrons un petit peu à l'intérieur, qu'est-ce que ça signifie tout cela? Et vous comprenez maintenant que de citer les Shvatim, dont leur nom porte la Géoula, chaque nom porte un aspect de la Géoula, c'est en réalité la préparation, c'est la guérison qui est déjà préparée. On m'explique. She'en kavanat haka'a l'Israël al derech onesh onekama. Tout coup, toute punition, tout châtiment qu'un Israël reçoit n'est pas une vengeance d'Hachem. N'est pas une punition. En réalité, il n'y a pas de punition. Ce n'est ni une punition, ni une vengeance. Al-Shehavar sur le passé. Et là, les Marekam, tout est fait pour les purifier, ou les Akecham, les spiritualiser. Les Mani, Yuriouim, les Kabel, Amala, Miroté, Netlaem, afin de pouvoir accéder au niveau qui leur est réservé, qui leur est promis, ou qui leur est réservé. C'est-à-dire que Am Israël doit atteindre un niveau, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veulent pas. Ou vous le faites par le dat, ou vous le faites par la prise de conscience et le chemin droit, ou alors vous y arriverez par des moyens détournés. Mais le Yehoud, l'objectif d'arriver, d'atteindre ce niveau-là, l'objectif d'atteindre le niveau que vous devez arriver, il va se réaliser. On ne peut pas y échapper. Et pour notre bien, on a été créé pour arriver au summum. Am Israël a été créé pour arriver au summum. Donc, par tous les moyens, Akadosh Baruch Hu y fera parvenir. Mais si tout est droit, si les chemins sont simples et droits, alors il n'y aura pas trop de difficultés. Mais si, chas v'shalom, le chemin n'est pas droit et qu'il y a un manque de fidélité et d'intégrité par rapport à la volonté d'Hachem, à ce moment-là, il peut avoir Hachem Ishmerenu des fléaux qui ne sont pas dans le but de nous punir sur le passé, mais de nous préparer au futur. Vimken, imlo tetsuya la refoua mikodem, si la refoua n'est pas existante, et non seulement existante, elle est déjà dessinée, elle est déjà établie avant. C'est pas qu'il y a Adjurou, il envoie une maca et déjà d'avant il prévoit. Non, la refoua, elle est en réalité déjà en potentiel existante. C'est pas la même chose. C'est pas Adjurou va frapper et après ça, bon, je prévois de vous guérir. Non, la guérison est déjà existante. Maïnaf Kamina, on va voir. Il va dire une afkamina. Vimken loti tsuya la refoua mikodem. C'est-à-dire, il est maintenant un peu plus puissant. S'il n'y a pas de guérison, si la guérison n'est pas établie, il n'y a pas de maca. C'est-à-dire que la maca, elle est conditionnée par la guérison déjà créée et établie. Al-Kohar, Al-Ken, pardon, Boré avait foi mikode.
ולעומת הרפואה והמעלה, מייסר ומכה אותם עד שיעור יורים. פרפור, פרופורציונלמן, על הרפואה דג'ה אקזיסטנט, איבא פרפה. C'est-à-dire, plus la refoua elle est, qui est prévue est grande, plus la geoula est grande, plus la maca, elle va être en conséquence pour nous préparer à cette geoula et nous préparer à cette refoua. D'accord, il a affaire à la maca par rapport à la refoua et pas la refoua par rapport à la maca. Donc, tu vois, Yoël, que les choses se précisent, mais on n'a pas encore terminé. Il y a la notion de Maka et de Refoua, et la notion de Galout et Geoula. Il y a le but était de les dresser, de les mettre sur le droit chemin. Non, pas trop canaliser, les mettre sur le droit chemin. Il y a un mot pour mettre sur le droit chemin, les haïchir. En hébreu, les haïchir, c'est le if-il de les yacher, hein, ou de le redresser. C'est ce qu'on a dit. Et redresser, ça me paraît un petit peu un mot. Il est déjà, oui, redresser, il est déjà tordu. Hein? Oui, les haïchir. Je pense les mettre sur le droit chemin. וכן היה עניינו שהכוונה הייתה להישירם לקבלת התורה ולבית המקדש ולגאולה העתידה. זה די קורליטה. זה פסל פלמון רפואה. לאובג'קטיף, זה סל הרפואה. לאובג'קטיף, כיה קבלת התורה, כיה בית המקדש, כיה לגאולה לפן דטן, תוסה, זה ג'וסטיפי, l'éventualité de recevoir les coups qui sont l'asservissement, qui sont tout ce qu'on a passé, et ils vont être en conséquence aussi. C'est-à-dire que plus la Géoula elle est grande, plus la préparation à la Géoula, elle va être en conséquence plus tumultueuse, plus difficile, plus éprouvante. Mais c'est quelque chose qui est relativement connu, on va dire. Et je pense qu'ici, c'est dit d'une manière très, très puissante. Ça veut dire que c'est connu, on sait, bon, que les difficultés, c'est au fond pour nous préparer à quelque chose. Mais en réalité, c'est beaucoup plus fort parce que ça veut dire qu'en réalité, comme David l'a bien ressenti, c'est que la raison, c'est la refoua. La raison de tout, c'est la geoula. Et la makane est une conséquence de la geoula. La galoute, c'est une conséquence de la Géoula. C'est-à-dire, parce qu'il doit avoir une Géoula, des fois, il est nécessaire d'avoir une galoute, dans la mesure où on n'est pas, évidemment, capable tout seul d'avancer à la Géoula d'une manière droite et d'une manière intègre. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de Maka, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de Maka à l'âme Israël, qui n'est pas une préparation. Il n'y a aucune maca qui est là pour être une vengeance et une punition et un châtiment. Sûr. Mais quand on dit comme ça, c'est ça. Mais ce qu'on dit ici, c'est plus que ça. C'est que parce qu'il doit avoir une geoula et le but, c'est d'arriver à la geoula. Alors, des fois, et souvent, peut-être, la galoute, elle s'impose, elle est nécessaire. Mais elle est nécessaire pour, rien que pour être une préparation à la Géoula. Elle n'est pas nécessaire pour autre chose. Rien que pour être présent. Il a bien reprenons. C'est comme l'histoire de Rabbi Akiva. C'est la même chose. Toujours aller, moi je ris parce que je ne sais pas comment elle a commencé. Oui. C'est très bien, tu élises très bien l'idée. Agmaramako, tu veux dire. C'est ça le problème. Il y a un problème. Il va toucher ce point-là. Mais regardez. Regardez ce qui était. Je voudrais qu'on reprenne une phrase précédente et qu'il faut la retenir un peu. Bien la retenir. Biura Dvarim,
שאין כהבנת, אין כהבנת הקהל ישראל על דרך חודש. Je reprends cette phrase là, c'est une phrase clé ici, quelques lignes avant. כן? וביור הדברים שאין כהבנת הקהל ישראל על דרך חודש ונקמה. Frapper Israël, ce n'est pas fait pour être une punition ou une vengeance. Al-Shehavar, sur le passé, elle a les marekam ou les akecham, c'est pour les nettoyer, pour les spiritualiser, pour les raffiner, pour les purifier. Les akecham, les maniyou, reouim, les kabel, ama'ala, ameouted et laem, afin d'arriver, de pouvoir recevoir, de pouvoir jouir, de pouvoir accéder à la ma'ala, au niveau, ken, amiroutedet qu'il aurait destiné. C'est, à mon avis, très important. Et c'est vrai que quand quelqu'un se trouve dans une situation de issourim, il a du mal à réfléchir comme ça. Mais si déjà il connaît cette réflexion, il faut la connaître, cette réflexion. Et il y en a qui ont réfléchi comme ça. Il y en a qui ont réfléchi comme ça. Pardon ? Il y a un moment, il y a une anagade de Onesh Mishpat. Le Onesh Mishpat, il y a Onesh Mishpat, vadaï. Mais le Onesh Mishpat, le Onesh, c'est pas un Onesh. Non, non. Entends, Reb Naftali, quand on dit Onesh, le Onesh, c'est pas un Onesh. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Onesh. Le Onesh, c'est pas un Onesh dans le sens de punir le passé, de te faire souffrir pour la faute. C'est parce que la faute, elle a créé une entrave par rapport à l'objectif. Et donc, je dois enlever cette entrave pour te permettre d'arriver à l'objectif. Parce qu'un Israël, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ils sont destinés à arriver à l'objectif. Donc, si on faute, Razveshanam, on met devant nous un obstacle à parvenir à l'objectif. Il faut enlever cet obstacle. Le Onesh enlève l'obstacle. C'est quoi l'obstacle? C'est l'ego, c'est le mal qui se mêle en nous, qui ne nous permet pas à nous de pouvoir atteindre le niveau. Donc, quand on dit Onesh, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de Onesh du tout. Ce qu'on veut dire, c'est que le Onesh n'est pas Onesh. C'est écrit dans les Rishonim aussi, hein. c'est pas un grand chidouche. Le Onesh n'est pas un Onesh. C'est pas une Nekama, c'est pour ça que je l'utilise, c'est pas une vengeance. Voilà. Alors que apparemment dans la justice, l'honnête, pour que demain il soit d'ailleurs, il va le préciser maintenant. Il va le préciser. Regarde. Le chenah binyan la galut. Chaque havana étant maintenant la galut, c'est 210 ans et la nôtre c'est 2000 ans. C'était en 210 ans en Égypte et nous c'est 2000 ans. Et cette galut qui est longue, on la voit comment? Il faut la voir comme réellement. Il faut 2000 ans. Faites attention à ce que je dis, il faut 2000 ans, comme on connaît l'histoire et pas suffisamment, pour arriver au niveau de la Géoula de la fin des temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette Géoula, qu'est-ce que ça nous donne maintenant, la vraie dimension de la Géoula? On comprend la vraie dimension de la Géoula. Ça ne veut pas être une petite Géoula comme ça, une délivrance. C'est pour cela que d'ailleurs, la Gemara dans ma série de Brachot, il y a la machloket entre Chachamim et Ben Zoma. Est-ce que la sortie d'Égypte va être appelée à la fin des temps? La Gemara, c'est une machloket. Et même celui qui dit que la sortie d'Égypte va être appelée, elle sera rappelée en tafel, en secondaire. Pourquoi? Parce que la Géoula de la fin des temps est tellement grande que la Géoula de l'Égypte, elle est insignifiante, elle est anodine. Oui, mais même. On est en train d'expliquer pourquoi la galoute était. Pourquoi la galoute était nécessaire? On n'a pas dit qu'il faut rester en galoute et qu'il ne faut pas en sortir. On est en train de dire, la galoute, tant qu'elle est là, il faut voir le côté positif. Quel est le côté positif de la galoute? C'est que c'est une préparation
Et quand on voit la douleur, quand on voit la souffrance de la galoute qu'on a passée, ça nous donne les vraies dimensions de la Géoula de la fin des temps. Parce qu'on ne peut pas arriver à cette Géoula de la fin des temps que sans cette préparation. Vous comprenez combien de préparation il faut pour cette Géoula de la fin des temps ? Je continue. Avoir comme discours dans notre période actuelle, laisser les choses se faire ou d'activer. Non, ça c'est. Mais il faut activer, il faut encourager, mais ça contredit rien de tout ce qu'on dit maintenant. Non, ça, c'est autre chose. On est en train maintenant de définir la galoute. On n'est pas en train de dire maintenant qu'est-ce qui va. La galoute. Mais si Hachem voit qu'on s'aime entre nous, il n'y a pas de jalousie. C'est autre chose. Monsieur Lauria, c'est autre chose. Non, on est en train d'expliquer maintenant la galoute, ce qu'il y a eu. On est en train d'expliquer la galoute qu'il y a eu. Je continue. Et Alken Bechéar, Chenivrea, Refoua, Kodema, Makava, Gula, Kodema, Galoute. Mais c'est Shemot, Hashevatim, Hashem, Agioula. Pourquoi les Shevatim, ils portent un nom qui est en rapport et en correspondance avec la Gioula. Mais c'est Shemot, Hashevatim, Hashem, Agioula, qui il ou Agioula, Kvar, Bemetsiout. C'est comme si la Gioula était déjà. Au moment où ils descendent en Égypte, la Géoula est déjà là. C'est pour ça que le livre de Shemot commence avec les noms des Shvatim. Et les Shemot, béni Israël. Pourquoi te citer de nouveau leurs noms? On les connaît déjà de Parashat Vayigash, le nom de tout le monde. Pourquoi te les citer maintenant quand ils descendent, quand la Galoute commence, pour te dire, c'est attention, la Galoute commence, mais en réalité, elle ne commence que parce que la Géoula est là. Parce que si la Géoula n'était pas là en potentiel, s'il n'y a pas déjà la structure de la Géoula, s'il n'y a pas la Géoula qui est la raison de la Galoute, il n'y aurait pas de Galoute. S'il n'y aurait pas la Géoula, il n'y aurait pas de Galoute. Comprenez ? Ven chaser rak azman, uzman mimela kaate. Ça veut dire quoi ? La Géoula, elle est déjà existence en potentiel. Et qu'est-ce qui manque ? Le temps. Et le temps, mimela kaate. Ça veut dire qu'il viendra. Il viendra, mais la Géoula est déjà installée. Valken, Av Beodam de Galout, Rachouvim Géoulim, c'est pour cela que même déjà en étant en Galout, on va dire, ils sont déjà en délivrance. Ils sont déjà délivrés. Mais quoi ? C'est quoi, mais quoi ? Potentiel. Av Shadain en la Géoula de Poal. Umitzadze, Atzmo, Ayalem, Kouar, Veoz, Lamid, Atzatzmam, Neged, Zerem, Shotef. Je reprends. ומצדזה עצמו היה להם כוח ועוז להעמיד עצמם נגד זרם שטף הגלות לבל התמעו בה. C'est grâce à cela qu'ils avaient la force de tenir en galoute. On apprend, Yoel, un autre point qui complète la réponse, c'est qu'en réalité, dans le fond de l'âme juive, le fait que la Géoula, que cette galoute-là est en réalité Mechouberet, elle est là. C'est qu'est-ce qui donne la métioute de la Géoula, cette réalité de Galoute, pardon, cette réalité de Galoute, qu'est-ce qui la donne? D'où puise la Galoute sa force d'exister de la Géoula? Et c'est pour cela que, étant donné que toute la Galoute, elle puise sa force de la Géoula est déjà existante, au fond des âmes juives, il y a déjà ce pré-sentiment qu'en réalité, on n'est pas entièrement en galoute. Umize atzmo ayalem koar vaoz lehamid atzmam neged zereb shetef agalut levalit amuba. Et c'est pour ça qu'ils avaient la capacité de se tenir en galoute sans entièrement s'assimiler, pour ceux qui ne se sont pas assimilés. On parle d'une manière générale. Tout ce qu'on parle maintenant, on parle de Am Israël Chai. C'est quoi Am Israël Chai? Am Israël. Il y en a qui se sont assimilés, il y en a qui sont perdus, des millions qui se sont perdus. Mais il y a un ensemble d'Am Israël. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est par rapport à l'ensemble d'Am Israël. Am Israël, Chai, rien ne va pouvoir les éliminer et Chas v'Shalom les éliminer. Non. Ouais. Et en ce temps, il y a plein de dégâts.
En Égypte, ça, en Égypte, il y a eu 4 sur 5 du peuple qui sont morts à la à Makatrocher. Ça veut dire que il y avait 4, les 4 sur 5 de Makatrocher qui n'ont pas cru. Donc, nous, on est en train de parler maintenant de Am Israël Chai. On est en train de parler. Ça reste une minorité, mais c'est pour ça que la question que tu poses, je te réponds déjà que c'est déjà, ça existait déjà en Égypte. Donc, il y a déjà un point de repère. Quel okay. Pardon? Oui. Oui, il y a 400 ans, et ces 400 ans-là, si on pouvait les supporter, ça aurait été 400 ans dans la réalité. Et quand on ne pouvait pas supporter, c'était 400 ans en comprenant la naissance de, depuis la naissance de Yitzhak. Ces 400 ans, ils sont malléables. Ils sont. Hein? Je me disais. Bien sûr, mais c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que la Géoula, en réalité, elle a commencé au Khourban Beit HaMikdash. Et comme c'était que le Mashiach est né le jour du Khourban. Le Mashiach est né le jour du Khourban. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on est en train d'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, on peut pas arriver en. On peut pas, le Beit HaMikdash ne peut pas se détruire si l'âme du Mashiach n'est pas née. Et après cela, nous avons. Plusieurs étapes de préparation. Historiquement, on peut déterminer les étapes. Non, il faut déterminer. Il faut être, à mon avis, il faut être honnête avec l'histoire, de savoir que même s'il y a des choses qui ont été faites à des petites dimensions, elles étaient peut-être plus importantes que les choses qui sont faites à grande dimension. Par exemple, il y a 500 ans, ce qui se passait en Eretz Israël avec Rabbi Yosef Karo, le rabbin Noahari. Et donc, l'écriture du Shulchan Aruch et des Kitvei Kabbalah et tout ça, à mon avis, c'est déjà la structure, peut-être pas première, mais en tout cas, une structure importante de préparation à la Géoula. D'ailleurs, depuis, il y a toujours des Juifs en Eretz Israël, ça fait 500 ans. Et je pense qu'on a raté l'occasion de prendre l'exemple de nos Chachamim il y a 500 ans, parce que là, on aurait créé un Yishuv en Eretz Israël, Al Taharat HaKodesh, si on l'avait fait à l'époque. Ouais. Et si on avait suivi les grands des grands, c'est vraiment les grands des grands, ceux qui avaient en Eretz Israël, Rabbi Yosef Karo, le Mabit, Rabbi Shlomo Alkabet, Rabbi Moshe Cordovero, et tous ces gdolim-là qu'il y avait, Kamouval, Marie Bérard, et c'est une époque extraordinaire, quand même, le Bédim de Rabbi Yosef Karo, et le Yishuv à Tzfat, et ailleurs aussi, c'était un Yishuv de spirituellement et même matériellement. Mevorach Meod. Il y a des descriptions là-dessus. Donc il faut voir ces étapes-là. Il faut savoir que c'est des racines qui sont en dimension peut-être au niveau de la population. Okay? Et peut-être c'est pas aussi grand que ça, mais en réalité, c'est fondamental. Parce que c'est déjà une structure spirituelle de la Géoula. C'est une structure de purée spirituelle de la Géoula. C'est le Shulchan Aruch et c'est les Kitvei Ahari. Et je pense que c'est très important. Et après ça, il y a eu d'autres étapes. Quand même, Or HaChaim HaKadosh, le Gaon de Vilna et aussi les élèves de Baal Shem Tov. Donc c'est extraordinaire en réalité ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que ce n'est pas des millions, mais c'est quand même arrivé à des milliers. Et même si ce n'est pas en nombre, en tous les cas, mais c'est déjà le fait de s'installer. Et c'est une yahadout, et c'est une yahadout pure, une yahadout ma'amina, une yahadout pure. Et si à l'époque on avait mérité, on ne peut pas accuser qui que ce soit, Chas v'Shalom, mais si on avait mérité de suivre, on aurait été déjà un peuple, on aurait été Israël, Al Taharat HaKodesh, entièrement dans la Gdusha et dans la Torah, parce que c'était, il n'y avait que ça. À l'époque de Tzfat, de Chachamim. Il y avait que ça. Et on aurait, Baruch HaShem, mérité une Géoula amitit Shlema,
sans torture. Maintenant, ce qui se passe, c'est très grand, c'est immense, mais c'est tortueux. Et surtout, le problème spirituel, il est grand. On est très affronté cette année-là, moins que cette année, moins qu'un an. Il y a des affrontements spirituels qui ne sont pas évidents, mais ça fait partie du processus aussi. On n'est pas trop inquiet. On n'est pas trop inquiet. On n'est pas trop inquiet. Oubliez le P. Umitzad ze atzmo aya lahem kwar va'oz le'amid atzmam neged zerem shetef ha'galut. Et ça donne des forces de tenir en galut. Leval itam uba ubiim lo aya efshar shezerem ha'galut lo yishtefem veshuv lo aya efshar shetatchil klal ha'galut. S'ils n'étaient pas capables de tenir en galut, il n'y aurait pas eu de galoute. Et qu'est-ce qui le donne, le pouvoir de tenir en galoute? C'est le fait qu'en réalité, l'objectif de la galoute, qui est la Géoula, il a devancé la galoute. Il est déjà établi. Et il agit. Quand on dit qu'il est déjà établi, ça veut dire qu'il agit dans le processus divin. Il agit. Mais il est, pour l'instant, encore caché et dissimulé. Rav, excusez-moi. Dans le fond de la galoute, mais il est existant, il est moteur même. La Géoula, c'est le moteur qui oriente la galoute. Rav, non, le fait d'avoir. Excusez-moi, Rav. Pour terminer la question, la réponse. Avi, je voulais poser une question. C'est Avi. Ah, Avi, oui. Oui, bonjour. Oui. Le fait d'avoir fixé, excusez-moi, le fait d'avoir fixé un quête 6000 ans à la galoute, ça prouve bien, ça abonde en le fait que la Géoula, elle était prévue. Ça veut dire que ce quête-là. Bien sûr. Ça abonde. Bien sûr. D'ailleurs, on l'a dit au début, il a dit que l'objectif, c'était Matan Torah, Bet Amigdash et la Géoula Atida. Géoula Atida, c'est la Géoula de la fin des temps, il a dit. Même à la sortie d'Égypte, elle est pour la Géoula Atida. Ok. Même à la sortie d'Égypte, elle était pour la Géoula Atida. Parce qu'en réalité, à la sortie d'Égypte, ça aurait pu être la fin des temps. Mon cher Abbeinu, ça aurait été le Mashiach et tout serait terminé. C'était donc un potentiel de la fin des temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle maintenant, ça c'est par rapport à Israël, et qu'est-ce qui se passe avec tous les millions et de personnes qui ont été égarées, qui ont été assimilées, qui ont été perdues, qui ont été, et même, Chazé Shalom, tuées, massacrées, etc. Tout ça, on rentre maintenant dans le domaine de l'étude des Neshamot. Que les Neshamot, elles-mêmes, l'âme juive ne peut jamais être détruite non plus. Donc même si elle est assimilée, l'âme juive, elle n'est jamais éteinte. Jamais éteinte, à moins qu'elle n'ait pas une âme juive. Il peut avoir un juif qui est Erevrav, à ce moment-là, il n'a pas d'âme juive. Un corps juif avec une âme de Erevrav. Mais quelqu'un qui a une âme juive, même si c'est un rachat à Gamour, l'âme juive ne peut jamais être détruite. Donc, de toute façon, il y arrivera. Il y arrivera qu'un jour ou l'autre. Ça, c'est pour répondre à notre cher ami Michael. Je continue. ושוב לא היה אפשר שתתחיל כלל הגלות. כנ"ל, שלולי הרפואה שנבראה מקודם, לא היה אפשר למכה להיות. ועל כן, בראשית סיפור הגלות, סיפור זקו דבי דוד הגלות, הקדים שמות השבטים להורות על עניין זה, ולא ללמד על עצמם יצא נדע שמותם. זה פבלו פונוזן סיניל, נוזן פרון לרנור, הוא כונסה לרנור, שכבר מפורזה פרשת ויגש, et là, les lamed al-sibat agalout. Dans les noms des shvatim, on est venu te dire quelle est la raison de la galout. C'est la gioula qui est sous-entendue dans les noms des shvatim. Dehaynu arifua mikodem, menirchevu shemot ha-shvatim ke iluhem siba la galout. Donc, les noms des shvatim, en réalité, ils sont là pour nous dire. Vous savez pourquoi on descend en galout vers les shvatim Abaim Mitzrayma et Yaakov Ishobetobao, c'est la Géoula est descendue en galoute. Ils sont porteurs de la Géoula. Mais Beladav, mais messieurs, c'est simple, on est là. Le fait qu'on est là, nous, aujourd'hui, c'est ça. C'est en réalité la réalisation de ce qu'on est dire. On est là.
Vous voyez, les bons juifs. Non, on n'est pas des rescapés, on est réellement. On est l'expression de la Gioula qui est la Neshama de la Galoute. Bon, la réponse à ta question, elle est, si je vais un peu dans le sens du Maharal de Prague, la réponse, elle est que des fois, les Issourim et la Galoute et toutes les Makotes ne sont pas faits uniquement pour nettoyer le futur, parce qu'on a défini que le nettoyage du futur, c'est enlever l'obstacle et te permettre de te préparer et d'accéder à un niveau. Mais des fois, pour monter de niveau, il faut aussi passer par là. D'après le... Pourquoi que je vous dis Avraham Avinu? Avraham Avinu, le prix de Benabetarim, personne n'a fauté encore. A priori, personne n'a fauté. Donc pourquoi je vous dis Avraham Avinu? Sache, Zéadoa Teda, Kikeri, Kézaracha, Beret, Solaem, Be'imam, Be'im, Motam, Be'amadou. Pourquoi? Attends, j'y arrive. Mais le Maharal, lui, dit, il n'est pas d'accord, il n'y a pas de faute. Quand on n'est pas été asservi en Égypte pour une faute, parce qu'on a été asservi en Égypte pour se préparer au niveau de Am Israël. Et parce que le niveau, il était un niveau individuel, mais ce n'était pas un niveau national, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on devait maintenant accéder à un niveau spirituel qui nous permet à donner au Am Israël Bichlaluto, dans sa généralité, un niveau, et ça, il fallait passer par l'asservissement. Ça, c'est une réponse. L'autre réponse, que même le Maharal touche, mais les autres, d'après le Harizal, oui, il y a une faute de Adam Harishon. Et il faut de terminer de réparer les fautes de Adam Harishon pour pouvoir mériter être prêt au Matan Torah et au Bet Amigdash et à la Géoula Atida. Ou alors, si on va dans le sens que la Gemara dit dans Psachim, tout simplement, parce qu'Avraham Avinu a dit, Bama Eda, Tirachena, comment je sais qu'on va mériter l'Eretz Israël? Ou parce qu'il a arrêté, un autre avait dit, parce qu'il a arrêté, il a arrêté de convertir. Ou parce qu'il a pris ses élèves à la guerre pour sauver Lot. Gius Bachoré Yeshivot. Il a fait un Gius Bachoré Yeshivot. Ah, Gius Bachoré Yeshivot, l'Égypte. Non, je dis ça de manière un petit peu grossière. Mais en réalité, c'est qu'Avraham Avinu, il y a eu quelque chose qui est considéré à son niveau, une légère lacune de Emouna. C'est pas un relâchement, non. C'est pas un relâchement. C'est une sorte de manque de perfection à son niveau de Avraham Avinu ou de Emouna, et qui s'est exprimé dans ces trois avis, là, ce que j'ai dit, ces trois avis différents, et qui fait que pour réparer ce manque d'Emouna, vous savez, quand on tire, si on fait une petite bifurcation de Ken, et après quelques mètres, c'est long. Alors, c'est ça un petit peu, ça aura ma vie à son niveau, mais après ça, quand ça s'écarte, ça devient beaucoup plus grand. Et donc, il fallait réparer ce manque d'Emouna. Mais moi, je pense qu'on peut se contenter de dire que c'était une préparation au niveau qu'Am Israël devait... Et ce n'est pas que les Avot individuellement n'avaient pas ce niveau. Et peut-être même les Shvatim, ils avaient ce niveau individuellement. Mais il faut créer ce niveau à un niveau au niveau d'un peuple. Vaïga, Shela, Lamed, Atzibat, Agalut, Dehaino, הרפואה מקודם ונחשבו שמות השבטים כאילו הם סיבה לגלות ומבלעדם לא היה אפשר לגלות לגלות ובלעדם אי אפשר היה לגלות לצאת לפועל sans ça, sans la Géoula préparée, on ne pouvait pas sortir en galut. ואם כן, שוב אין כאן קושיה למה לא הזכיר שמות כל 70 נפש. Mais là, on comprend pourquoi on n'a pas dit les noms des 70. Parce que les 70, ils ne sont pas réellement... Si c'était pour dire une liste de noms, on aurait dit les 70. On aurait dit personne. Mais on te dit que les Shvatim, parce que les Shvatim, en réalité, ils sont nommés
Et le roi Hakodesh des Imaot fait que le nom comprenait, à part le sens pashut que chaque mère a voulu donner à son fils, et que ça comprenait aussi le potentiel de Géoula. Et c'est pour ça qu'on dit que leur nom, parce que c'est que le nom, les noms de la Géoula qui nous intéressent, c'est pas Stam une liste de noms de famille. Oui, oui, on a mis une liste. Au début, il cite quelques noms, mais il ramène ça que. Il n'a pas cité tout le Midrash, si vous voulez. Au Mimotza Advarim, maintenant il va passer à Shabbat, comme d'habitude. Au Mimotza Advarim, chez Shemot Ashvatim, chez Mourim la Géoula, et Chashuv, chez Dvuka Baem la Géoula. C'est-à-dire que puisqu'on a appris maintenant que les Shvatim, leur nom indique, chez Mourim, ça veut dire qu'ils indiquent la Géoula, leur nom. Et Chashuv, chez Dvuka Baem la Géoula, donc ça veut dire que la Géoula, elle est en eux. Donc, on vit en réalité avec ce potentiel de Géoula, et c'est ça qui nous permet de résister, c'est ça qui nous permet de subsister, c'est ça qui nous permet de subsister physiquement et spirituellement. Il faut savoir qu'on a fallait subsister. Zéatzmon et Rezik Biadam Shelo et Amrou Bemitzraim. C'est ça qui a permis qu'ils n'ont pas été entièrement Tamrou et Tamrou, c'est être assimilé, être englouti. יש לנו דוגמתו בשבת, שבת aussi on a ça, שהוא קודם ימי המעשה, שבת c'est avant les six jours. Vous savez que le Shabbat, il y a deux dans les Midrashim et dans le Mekorot Chazal et dans le Zohar aussi, on parle, est-ce que le Shabbat c'est le début de la semaine ou c'est la fin de la semaine? Et on voit dans tout, et il y a un Mahamar du Shem Shmuel là-dessus, où il explique qu'il y a les deux prinotes, que le Shabbat, en réalité, pour mériter la Kedusha de Shabbat, il faut se préparer à Shabbat, donc le Shabbat, c'est la fin de la semaine. Mais pour pouvoir être bien alimenté en semaine, il faut avoir puisé du Shabbat, et ainsi de suite. En réalité, Shabbat, il sert aux deux, c'est-à-dire la semaine ou le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'objectif, donc je m'y prépare, mais c'est aussi la batterie, hein, spirituelle. Ouais, c'est... Mais étant donné, c'est vrai, mais je réponds, c'est que si Adam Arishon n'avait pas fauté, il serait rentré dans le Shabbat, il serait resté dans le Shabbat. Chaya Olamim. Donc maintenant qu'il a fauté, qu'est-ce qu'on veut nous maintenant? C'est que on recommence, mais on veut recommencer au moins, on veut recommencer avec. On recommence, donc on veut pour pouvoir tenir dans la semaine, pour se préparer au prochain Shabbat, on veut avoir la batterie du Shabbat précédent. Donc ça va avec la création du monde. Parce que la création du monde, c'est vrai, à la création du monde, la semaine, c'est qu'une préparation à Shabbat. Mais après qu'Adam Arishon a fauté, on a besoin maintenant de force pour tenir dans la semaine. Et être prêt pour le Shabbat prochain. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi il y a écrit que il m'allait, si on les chômeurs, deux Shabbatot, il y a la Géoula. Pourquoi deux Shabbatot? Pourquoi pas un? Pourquoi pas trois? Parce que deux Shabbat, c'est en réalité, réalise ce qu'on vient de dire. C'est un Shabbat préparation et un Shabbat alimentation. Quoi deux? On a besoin de deux Shabbat pour ça. Yesh lanu dugmato be Shabbat shukodem imi amaseh. ועלכן אנו מזכירים היום יום, פוקון די היום כך, נשאר היום השישי, שבת קודש, השיר שהיו הלווים על מרן. פוקון מנון, פוקון לג'ור לסמן ידוע את פרפור הכווה, פרפור שבת פרסדן. פוקון? אחר, וכן שני, לכאורה היה יותר נכון להזכיר כמה יש לנו עוד לשבת שלפניו. Je me prépare à Shabbat, donc je dois compter un peu dans la même question qu'on pose sur Sfirat HaOmer. Compte par rapport à au futur, comment chez mon nez, Kamayamim Yeshlod, Yom Simchat Libo, quand un homme se marie, il ne va pas compter combien de jours il s'éloigne de ses parents. Hein? On dit tous Mazal Tov à nos chers amis. Yaakov Cohen pour le mariage de sa fille. Bonne Hachem.
Il n'y a pas ce problème. Je me fais un compte. Mais en tous les cas, quitter, on ne compte pas combien de jours sont passés depuis que j'ai quitté la maison. Non, ok. Ah, c'est pas encore quitter la maison. Quand tu me prépares au mariage, combien de jours j'ai jusqu'au mariage? Combien de jours jusqu'au mariage? C'est comme ça qui est normal. Oui. Ah. Non, mais il me reste encore 2 ans et demi. Achwa d'Arav, c'est Zochin. Et Yom HaShabbat, Ava, Kaman Ruchukim Mimenu. Pourquoi je compte combien je suis loin du Shabbat? Kiwa notena nous croire en réalité, c'est pas combien je m'éloigne du Shabbat. Et la Kiwa notena nous croire la sotrai, c'est le Shabbat précédent qui me donne la force. Donc, à chaque fois, quand je m'écarte de Shabbat, Ken, en réalité, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me rappelle Shabbat précédent pour continuer le Shabbat précédent pour me préparer au Shabbat qui vient. Kiwa notena nous croire la sotrai, le val nid gashem. Pour ne pas devenir se matérialiser, pour ne pas se devenir se corporaliser, non, c'est pas le mot qui vient, mais se devenir gâchoui. C'est ce qui fait la se matérialiser. Se matérialiser, se matérialiser. Matérialisation en français, ce n'est pas comme les gâchem. Parce que matérialisation, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les. Mais là, on parle du corps, on parle de devenir gâchemi. Non, c'est pas tout à fait le mot. Bon, c'est devenir matériel, mais c'est matériel dans le sens où les tendances du corps, les tendances du yetzer, etc., elles sont fortes. Fortes, hein, faut voir comment. Le van nid gâchem, venizke, le shabbat shelifane. Donc, je puise des forces du shabbat précédent, spirituel, pour utiliser les jours de la semaine et me préparer au Shabbat Abba. Et c'est la menorah. C'est la menorah que, permettre que le Shabbat, comme c'est écrit dans le Zohar, le Shabbat, en réalité, il est au milieu. Mais là, on dit ça un peu différemment. Oui, mais on le dit un petit peu différemment. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'objectif de la vie. Mais je ne peux pas me préparer à Shabbat si je n'ai pas les forces du Shabbat précédent. Les forces spirituelles, Shabbat précédent. Shabbat shalom.